Cette richesse essentielle est primordiale pour tout développement économique et social. Sa préservation implique une gestion rationnelle, assurant sa pérennité en quantité et qualité pour tout usage présent et futur. Dans le cadre de l'élaboration d'un outil institutionnel de gestion des ressources en eau à l'échelle régionale, les agences de bassin ont été créées en vertu de la loi sur l'eau pour mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau dans un cadre décentralisé, participatif et concerté. L'agence du bassin hydraulique de la Melouia est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau et soumise au contrôle financier de l'État. Elle a pour mission l'évaluation, la planification et la gestion des ressources en eau au niveau du bassin Melouia. L'agence du bassin hydraulique, c'est un établissement public assigné des missions de planification, ça veut dire la planification des ressources en eau à l'échelle du bassin. Donc il élabore le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau. C'est une mission. Deuxième mission, c'est il est assigné de la mission de suivi des ressources en eau. Donc il effectue des mesures pour le suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau superficielles et souterraines. Il gère le domaine public hydraulique, c'est-à-dire il délivre les autorisations de creusement, de prélèvement d'eau, d'extraction de matériaux dans le domaine public hydraulique. L'agence du bassin hydraulique, il gère à l'échelle du bassin les ressources en eau.